كمس فابين جوور ديال فريق كافي مالين مرحبا بك. جدوي مالين ميريت كاني او ماتشني Si on regarde la première mi-temps, je pense qu'on aurait pu marquer le troisième but et 1-3 ici. Je pense qu'après, ça aurait été bien. Après, eux, ils ont eu une pénalité en deuxième mi-temps, donc je pense que le match nul peut être justifié. Ouais. Ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. Oui. Votre retour. Ça fait longtemps, ça fait Ça fait du bien jouer ici à... Oui, ça fait toujours du bien de jouer, de reprendre du rythme. C'est important. J'espère que je vais jouer encore plus. J'espère. Et ça, on peut dire ça change. Ouais, bien sûr, ça change. Ça change. Et l'équipe nationale Tunisie dans le groupe la Belgique, qu'en pensez-vous? Je pense que ce sera un bon match. Mm-hmm. Parce que la Tunisie, c'est une belle équipe et la Belgique, c'est une très très grande équipe. Donc, mm-hmm. Ce sera un bon match, c'est une Coupe du Monde, donc c'est toujours bien. Est-ce que vous pensez que la Tunisie passera au premier tour? Il faut voir, on ne sait pas, hein, mais faut faire le maximum. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un bon groupe et il faut espérer bien commencer pour voir si on peut aller plus loin. Que pensez-vous? Il y a jusqu'à 5 joueurs d'origine tunisienne qui jouent dans le championnat belge. Ouais, c'est vrai. Ça fait du bien, non? Oui, c'est vrai que le joueur tunisien maintenant s'exporte bien. Mm-hmm. Après, il faut voir s'ils vont en appeler ou pas. Et vous, jouez avec l'équipe nationale tunisienne? Si on m'appelle, on verra. Si on ne m'appelle pas. Il y a un autre groupe, Maroc, qui est tombé dans le groupe de l'Espagne, Portugal. Ouais. Qu'en pensez-vous? Ça va être difficile, mais le Maroc a une très belle équipe. J'ai un très bon ami à moi là-bas, Mehdi Benassia, capitaine. Donc j'espère pour lui qu'il va se qualifier. Inch'Allah.